بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قبل نتطرق إلى الموضوع نترحم على والدة الأخت حفيظة فرمس الرحمة تشيرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كنا نسلم الكلمة الأخت فاتحة لابد اللي في قلبي يقول أنا فرحان بكم أول حاجة ثاني حاجة فرحان بالأخ أنظر أن الأخ ديالنا سي قرباش والدكتور بوزيان فمرحبا بكم في هذا الاستقبال مرحبا بكم
واللي بلي من دكتور باش يدوز الفيروس الدكتور مزيان. هذا هو الكلام. شكرا. Salam alaikum, donc bonsoir tout le monde. Très contente de vous voir, comme il a dit M. Achekré, mon collègue. Le laboratoire Sovimed, Laval et Association de Sadamon vous remercie infiniment pour votre présence, pour assister à cette formation de ce soir. C'est vrai, mon collègue a dit que Dr. Tarbesh, c'est un frère. Vraiment, c'est un soutien à nous, c'est un frère à Tzadamoun, on le connaît très bien. Donc, le virus est déjà passé à Dr. Bouzien puisqu'il est là. Donc, donc, c'est pas la peine de le redire. Merci beaucoup, on est très honorés de vous voir parmi nous. Alors, on espère qu'on va passer un bon moment de cette formation de ce soir. Donc, ça sera sous forme d'un atelier. Questions-réponses. Alors, je donne là aussi à M. Alaoui Mohamed, directeur du laboratoire Sovimed, M. Adil Mahfoud, délégué médical à Agadir Sud, et bien sûr, Dr. Kabash et Dr. Bouzian. Donc, je passe la parole au directeur M. Alaoui Mohamed. Merci beaucoup. Salam alaikum. Je tiens à remercier l'association Tzadamoun pour nous avoir invités. Et ça fait plaisir de voir tous ces jeunes. Si je vous parle de mon expérience personnelle, c'est pratiquement 40 ans de biotone. Les naïadama, qu'est l'ouad khalt, qu'est sovimed, qu'est lafad, qu'est zamban, qu'est sotema. Aqlora ala biotone. Hada ouel mouhim. Nous tenons à vous remercier pour votre présence et surtout la présence des amis qui sont très intimes et depuis des années, Madame Boucher, Zedlewa Matin, Dr. Kabash et Dr. Bouzien, qu'on se connaît depuis pratiquement plus d'un quart de siècle. Pour ne pas plus 40 ans. Inch'Allah, moi-même, c'est Aline, on se tient à votre disposition. Et sachez bien qu'on a commencé par votre secteur parce que j'ai beaucoup d'attaches au niveau de ce secteur. Ma vie de visite médicale, j'ai commencé ici. Ma femme est originaire d'ici. Donc, il a fait du chef de sa femme à Tassène. Merci. Je donne la parole à M. انا بقيت واحد اللي ما لان السي الحاج تنعرفو مزيان وما تنعرفوش على دار تيتهلا في الطبه وبغيت تهلا في تضامن اهلا بيا انت راك كل خير فوالا ميرسي بوكو جو دون لا بارول ا دكتور بوزيان الوغ تو موند كوني لو تام سي لو تام L'activité de l'Algérie, franchement, on n'est jaloux les médecins, on n'a pas cette solidarité, cette présence. Bien, mon droit à dire les affections ou bien les infections. Voilà, je préfère que ce soit des questions-réponses parce que là, je suis pas préparé pour faire un cours magistral. D'ailleurs, c'est plus intéressant que ce soit des questions-réponses. Mais grosso modo, ce que je constate, l'ORL ou les gens qui viennent demander conseil à la pharmacie, c'est surtout les infections ORL. Les infections, c'est surtout les médecins. On a les infections ORL, on a les tumeurs, on a les fractures, on a les adénopathies. Mais là, en général, c'est surtout le conseil les infections ORL, ou la pathologie la plus fréquente. Non.
Alors, qui dit infection dit quatre produits, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques et le traitement local. Il faut savoir, chacun a sa cuisine, comme vous devez le constater, chaque médecin a la cuisine d'Yalo, ça réussit en général à 95% parce qu'on sait ce qu'on donne et on sait ce qu'on évite. Bien, grosso modo, pour le problème de la question, les antibiotiques, les tatatés, c'est surtout les amoxicillines, enfin les bêta-lactamines en général, les macrolides, les quinolones. La première question, une personne a un souleu, est-ce que c'est aigu ou grave ou chronique. Donc, chalali. Déjà, tu es orienté, la série des quinolones, les macrolides. Ces derniers temps, il y a un virus qui est connu, c'est tout à coup des angines blanches. Après l'amoxicilline, après l'augmentation, sans dire le nom commercial, si vous ne donnez pas les macrolides, ça ne marche pas. Parce que c'est des germes intracellulaires. Ça peut marcher, mais pas bien. Premièrement. Deuxièmement, dans chaque infection ORL, il faut associer un anti-inflammatoire avec bien sûr des précautions. Les anti-inflammatoires, le bébé à partir de 2 ans, on peut les donner sans problème. Les corticoïdes, entre guillemets, franchement, il ne faut pas les donner. Mais... Oui. Autre chose, il faut éviter les antibiotiques qui traversent la barrière méningée. Ce qu'on a le forum, c'est grosso modo les bêta-lactamines, sauf deuxième et troisième génération des céphalosporines. D'ailleurs, bientôt, une céphalosporine de deuxième génération va être lancée par le laboratoire. Donc, c'est très très important. Il faut savoir les antibiotiques qui traversent les barrières méningées parce qu'on peut masquer une méningite. L'exemple de la méningite, c'est ce qu'on a une fuite ou une fête. شنو نتا دير نتا شي وحده ينوض يصبر هي ان شاء الله احيانا تنديرو انتوما ولا حتى حنا تنربطو على احيانا سي تادير تنصبغو تتهبط لا فيير في كذا مي لوريجين تيبقى هو هذاك تطيح لك مرض لا ميننجيت ولا نوتخ مالادي دونك يفو غوسو موندو اتر اورينتي لي انديكاسيون دي زونتيبيوتيك Je ne sais pas, donc c'est un résultat chez l'infection, c'est la plus fréquente. Déjà, votre consultation, c'est 80% des consultations, c'est des infections. Ouais. Et puis, autre chose, il faut séparer grosso modo la flottite. Quels sont des antibiotiques sont, je l'ai dit, qui ne font rien au niveau de... Tiergulluk, c'est un antibiotique qui agit sur une telle bactérie. Mais il faut savoir, est-ce que cet antibiotique, il traverse, est-ce qu'on le trouve le milieu de l'oreille ou la matale gorge? Ça ne sert à rien. Ça fait un antibiotique qui agit sur une bactérie telle, sans qu'il rentre là-bas, le tissu cellulaire. Donc, ce qu'on t'a fait, grosso modo, je n'ai pas les antibiotiques qui t'attrapent l'infection, les otites, je n'ai pas les infections de l'inopharynx, je n'ai pas les larynx, grosso modo. Quand il s'agit de tel ou tel, c'est l'interrogatoire. Il a qu'à l'être comme l'autre. Quoi d'autre? Les enfants de moins de 2 ans, il faut toujours penser au bête. Le bêta hémolytique, les streptococcus bêta hémolytique, donc il faut toujours donner un antibiotique à point. Eh bien, donc je vous laisse peut-être les questions en réponse, il y a quand même d'autres choses à éclaircir. Docteur, pour surtout la pénicilline V. Oui. Beaucoup de médecins, il n'y a pas d'inscription à tout, on ne la voit pas. On la voit pas. Mais sur l'automédication, on voit toujours les gens qui la demandent. On même sur la pénicilline V, l'oraceline, la phénocéline, par contre, les médecins nous prescrivent pour la prévention, surtout la prévention de RA. C'est une résistance générale de cet antibiotique, ou bien il est encore.
on n'a pas pu répondre à cette question. Vu qu'on a entre les mains des antibiotiques qui sont très efficaces, pourquoi pas? Et ça marche. Donc, quand on a des questions de moyens, la santé publique, elle est toujours prescrite. Quand j'étais la santé publique, on la prescrivait à longueur de journée, ça donne des résultats. Pourquoi ne pas la laisser? La durée des traitements, on dirait plus élevée. 10 jours. Alors que maintenant, c'est-à-dire le 5 jours, les autres antibiotiques, 6 jours, ça marche. Bien, dommage.